C'est pour l'ambiance plutôt que pour... Ça n'a pas de vrai sens, c'est pour l'ambiance. Donc, Philippe avait donné des instructions très claires. Bien entendu, je ne les ai pas suivies et j'espère quand même répondre à l'exercice. Donc, à mon avis, enfin, il est difficile de parler des bibliothèques sans parler de leur fondement institutionnel. Donc, j'attaquerai le sujet en parlant beaucoup des institutions et en considérant les bibliothèques comme une politique publique. Donc, parce qu'elles sont le reflet de leur société. Alors, dans cette optique, je vois un chemin, et sur ce chemin, je vois une façon positive et une façon, enfin, quelque chose d'optimiste et quelque chose de négatif. Alors, je vais m'attacher plutôt au côté pessimiste, parce que c'est souvent plus fécond, le pessimisme. Ça. Tu as raison. Bon, et donc, en 2057, les forces qui sont actuellement à l'œuvre, qu'on connaît tous, alors la crise écologique liée au réchauffement climatique, la crise des migrations, l'affirmation des nationalismes, le délitement du service public, mais aussi l'individualisation des gens seront évidemment à l'œuvre et auront fait leur œuvre. Donc les États auront totalement abandonné leurs responsabilités et ce seront les très grandes métropoles qui géreront directement leur territoire. Alors ces grandes métropoles auront des relations entre elles, comme la Hanse, et on ne sera plus un citoyen de la France ou des États-Unis, on sera un citoyen de Paris, de New York, de Berlin. Donc la puissance publique sera présente dans ces territoires, mais l'intérêt général, national, supranational, sera totalement abandonné. Dans ces territoires, les grandes entreprises seront aussi très présentes et investiront de larges pans du service public, l'éducation, la culture, la santé, la sécurité. Le reste du territoire sera totalement abandonné, en tout cas ne sera plus prioritaire, et se gérera avec des moyens très, très, très faibles et devra faire face à la décroissance, mais une décroissance subie, une décroissance qui ne sera pas voulue. Alors dans ces territoires abandonnés, les citoyens devront soit se gérer directement, alors des associations, des collectifs, soit se trouveront face à des gouvernances qui pourront être autoritaires, voire corrompu. Alors, dans les grandes métropoles, dans cette vaste anse qui nous attend, la collectivité aura les moyens de financer les services publics, donc les bibliothèques. Et les habitants de ces bibliothèques disposeront d'équipements de pointe. Alors, à cette époque-là, plus personne ne mettra en débat la question du numérique et ces bibliothèques de lecture publique proposeront des documents numériques sans que ce soit un débat et se poseront d'abord en lieu de vie et de rencontre. Donc elles mettront à disposition des usagers des documents électroniques que ceux-ci consulteront sur leur équipement personnel. Elles organiseront, comme à la BPI, beaucoup d'ateliers pour comprendre les enjeux du numérique de l'époque, hein, que je ne chercherai pas à définir, parce que j'en serais bien incapable, mais aussi pour apprendre aux citoyens, aux usagers, la cuisine, la danse, toute autre pratique qu'on ne connaît pas encore. Alors, ces bibliothèques proposeront énormément de documents imprimés, parce que l'imprimé, à ce moment-là, se concentrera sur tous les aspects récréatifs, et en particulier sous forme de périodiques. Ces bibliothèques mettront aussi en avant le patrimoine parce que le patrimoine ne pourra plus être géré dans les autres parties du territoire et donc ce patrimoine sera concentré dans ces grandes villes. Et donc il y aura régulièrement des expositions, des valorisations, des médiations autour du patrimoine parce que aussi ces territoires chercheront à définir leur identité et se serviront du patrimoine comme définition de leur identité. Alors, évidemment, comme ces territoires seront riches, on pourra accéder à ces lieux de façon libre et gratuite.
Mais par contre, l'accès à ces territoires sera très malaisé pour ceux qui n'en seront pas reconnus comme citoyens. Donc, dans ces grandes bibliothèques, il n'y aura pas de champ social, puisque les personnes qu'on appelle du champ social maintenant seront reléguées à la périphérie. Comme je disais, le financement de ces bibliothèques sera assuré par la collectivité, par ces différentes collectivités, mais aussi par les entreprises, les grandes entreprises trans et multinationales, les GAFA de cette époque-là, qui investiront tout le champ de la culture en ayant un discours de promotion de l'intérêt général. Alors évidemment, une entreprise qui investit le champ de la culture en disant qu'elle défend l'intérêt général, on peut penser que c'est quand même pour des objectifs de vendre, de promouvoir des valeurs. Et donc, est-ce que ces bibliothèques proposeront des services neutres et équilibrés? On peut se poser la question. Alors, là j'ai parlé de la lecture publique. Pour les bibliothèques universitaires, je prendrai l'exemple du Rolex Center et à mon avis, à cette époque-là, on n'aura plus que des Rolex Center. Donc, ce sera formidable, mais les études supérieures seront extrêmement coûteuses et seuls quelques privilégiés pourront y accéder. Bien sûr, là, pour le coup, pour la lecture académique, il n'y aura plus que des documents numériques et le Rolex Center de l'époque ne sera qu'un lieu de rencontre, de travail, de coworking. Et comme s'intitule lui-même le Rolex Center actuellement, un laboratoire d'apprentissage. Alors, un petit mot, si je puis me permettre, sur la BPI. Est-ce que sera la BPI à cette époque-là? Alors, est-ce qu'elle existera? J'espère. Est-ce qu'elle sera la bibliothèque centrale de la ville-État de Paris? Peut-être. Est-ce qu'elle sera un département du Centre Pompidou dédié à l'art numérique ou à l'éducation artistique? Peut-être. Est-ce que le Centre Pompidou lui-même sera encore là? Est-ce qu'il existera? Qu'est-ce qu'il fera? À mon avis, il sera toujours présent. Et à mon avis, on parlera toujours de l'utopie Beaubourg. Et j'espère que les gens qui nous succéderont y resteront fidèles. Alors, dans les territoires périphériques de ces États, le service public sera en grande difficulté. Donc, il faudra que les citoyens s'impliquent, aillent dans la démocratie participative, trouvent des solutions, sinon ils se retrouveront face au clientélisme et à l'arbitraire. Alors, évidemment, soit les citoyens s'autogéreront, proposeront la démocratie participative, soit ils se retrouveront face à l'arbitraire. Dans les deux cas, évidemment, les bibliothèques seront différentes. Alors, dans le cas clientélisme, pouvoir personnel, autoritarisme, plus ou moins affirmé, mais il y aura toujours l'État. Il y aura toujours l'État qui sera un petit peu présent. Mais malgré tout, ces territoires seront des sortes de baronnies. Dans ces territoires, on peut penser que la culture ne sera plus vraiment prioritaire et que donc les bibliothèques qui resteront seront certainement des coquilles vides. De toute façon, la culture sera certainement méprisée dans ces endroits et considérée comme inutile. Alors je pense, je ne sais pas, je ne vois pas la salle, donc je ne peux pas dire, mais je sais qu'il y a un collègue de l'État de Rio qui m'a raconté la fermeture des bibliothèques gérées par l'État de Rio en début de l'année. Donc, à mon avis, ce scénario est tout à fait possible. Fermeture des grands établissements du service public, privant les communautés de services absolument importants et les bibliothécaires de leur travail. Alors, il y aura certainement des cas où le responsable local, dans un souci d'autopromotion, pour montrer à quel point il aime la culture, créera un théâtre, une bibliothèque, un musée. Là aussi, je pense à ce qu'on peut voir en Asie centrale, à Alma-Ata, des énormes bibliothèques complètement vides, faites à la gloire du chef d'État. Alors, malgré tout, ces bibliothèques-là auront beaucoup de moyens, seront assez riches. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire quand on y travaillera? Est-ce que faudra y participer? Est-ce qu'on essaiera d'y aller? Bon, on verra. Mais ce seront des lieux de propagande. Mais sinon, bien sûr, dans ces contextes-là, la bibliothèque pourra aussi être un moyen de résistance, un lieu de résistance. Donc, il y aura, dans ces territoires perdus, des bibliothèques autogérées, avec peu de ressources, mais qui essaieront de garder vivace
toutes les valeurs de la démocratie, de l'humanisme. Bah, ces bibliothèques ne fonctionneront qu'avec des livres, puisqu'elles n'auront pas beaucoup de moyens, donc elles conserveront le peu de livres qu'elles auront. Et donc la question du désherbage ne sera plus vraiment d'actualité. Et avec un peu de chance, elles arriveront à les reproduire par des moyens souples et pour pouvoir les diffuser plus facilement. Alors les gens, les citoyens qui prendront en charge ces bibliothèques prendront des risques. Alors peut-être pas, ne risqueront peut-être pas leur vie, mais risqueront certainement leur liberté. Ça, c'est dans le cas où le territoire est sous l'emprise de baronnies hostiles. Dans le cas où le territoire pauvre, hors métropole, est géré par des systèmes participatifs, finalement la bibliothèque sera assez similaire à celle de la bibliothèque de résistance des lieux soumis à une certaine tyrannie. Sauf que là, les gens qui s'en occuperont ne risqueront pas leur vie, ne risqueront pas leur liberté. On peut espérer que dans ces endroits-là, les bibliothèques deviendront l'élément central de la vie en communauté, de la vie du vivre ensemble. Et bien sûr, là aussi, ce seront encore les livres qui seront la base de ces bibliothèques pour des raisons principalement de moyens. Évidemment, on se dit, oui, des endroits, des lieux qui sont autogérés, qui proposent la démocratie participative, c'est vraiment bien. Sauf que, quelles seront les valeurs qui seront défendues par ces personnes, par ces gens? Est-ce que, tout en étant assez libres, ils ne défendront pas des valeurs idéologiques, communautaristes? Et donc, finalement, est-ce que là aussi, ce ne sera pas si négatif? Ah, voilà. Donc voilà, bon, j'ai fait un portrait extrêmement sombre. Je ne suis pas sûr qu'il soit sombre pour les bibliothèques, puisque j'en fais un élément central, mais il est sombre pour les institutions. Mais évidemment, c'est un chemin, et le scénario négatif n'est pas certain. Et on peut voir dès maintenant, dans certains pays, dans certains lieux, des décisions qui montrent que tous ces éléments sont présents, toutes ces tendances sont présentes, mais qu'on peut les infléchir, qu'il y a des volontés, y compris politiques, de les infléchir. Par exemple, il me semble que le fait métropolitain est évident, ce sera une évolution structurelle majeure à laquelle on n'échappera pas, mais l'État peut rester, peut assumer pleinement son rôle face aux grandes métropoles. Et les métropoles pourront aussi assumer pleinement leur rôle pour les autres territoires. C'est pour ça qu'il me semble aussi que la notion de réseau, qu'elle soit un réseau national, local, européen, pourra être approfondie. Et donc, de telle sorte que les territoires riches, les territoires privilégiés, puissent animer des réseaux sur l'ensemble des territoires et que chaque territoire ait le service public dont il a besoin. Et donc, là, je pense aussi à la BPI. La BPI pourrait trouver sa place comme animateur d'un grand réseau de lecture publique, comme maintenant d'ailleurs, mais peut-être plus approfondi encore dans ces années-là. Et là, donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'effectivement, les expérimentations qu'on fera se fassent en accord avec la puissance publique, une puissance publique bienveillante. Donc voilà. Donc les bibliothèques, moi, que je vois aujourd'hui, me semblent préparer plutôt l'avenir positif, et on voit beaucoup d'initiatives, et c'est pour ça qu'on peut penser que, en fait, les bibliothèques publiques comme universitaires de 2057 seront des lieux ouverts, des lieux de vie et des lieux citoyens dans tous les territoires et dans un environnement institutionnel clair.